Bonjour à tous, voici la présentation de You and Jack, une nouvelle chorégraphie. C'est une country dance de 48 comptes, 4 murs, un tag restart, un restart. Le niveau sera intermédiaire. La musique, donc You and Jack de Kaylin Cole. Le BPM 122, le départ de la danse, aura lieu après les 16 comptes des paroles. Pour les séquences, je vous les donnerai en plan sur le PDF. La musique a été choisie par Pierre Boca, puisque cette chorégraphie est prévue pour le workshop du 21 octobre, que nous aurons la joie de vous présenter tous les trois, donc mes deux garçons, Pierre Boca et Frédéric Facio, à nos côtés. Voilà, à bientôt. Je vais donc vous présenter la danse avec les comptes, tout simplement. Et je vais penser que 12 heures sera ici pour que vous puissiez me suivre ensuite. Donc 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 et 4, 5 et 6, 7, 8. Il faut bien mettre le poids sur le pied droit. Donc je suis en poids du corps sur le pied droit, n'oubliez pas. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8. Les pop knees, les buns amène obligatoirement à ce que vous souleviez les talons et bien plier deux fois les genoux, puisqu'il faudra faire deux bunces, deux heel bunces. Voici le tutoriel de You and Jack. Première section, pied droit en avant, demi-tour vers la gauche, avec un kickball step du pied droit, pose le poids sur le pied gauche. Ensuite un heel grind, donc du pied droit en quart de tour vers la droite et un coaster step en arrière du pied droit. Avec les comptes, je reprends 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. La deuxième section, donc je suis en appui sur mon pied droit, je vais partir avec un jazz box, donc du pied gauche vers la gauche. Pied gauche croisé devant le pied droit légèrement en arrière, pied gauche donc à gauche et un pointé du pied droit à côté donc du pied gauche. Ensuite un rock side, pied droit revient sur pied gauche et un sailor step car du pied droit en mettant le pied droit légèrement devant. Avec les comptes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. La troisième section, donc je suis en appui sur le pied droit. Ici je pars en rock step du pied gauche, reviens sur le poids du pied droit et un back step lock. Et ensuite un rock back du pied droit, reviens sur pied gauche et un step lock step. Avec les comptes, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Pour la quatrième section, donc je suis en poids sur le pied droit, je vais placer mon pied gauche à gauche et je vais faire un quart de tour vers la droite en mettant le poids sur le pied droit. Ensuite, je vais prendre mon pied gauche avec un triple cross, pied gauche croise devant pied droit deux fois, puis placer le pied droit à droite, revenir donc sur le poids du pied gauche, pour faire un pointé et un hold. Avec donc les comptes, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8, hold. Pour la cinquième section, donc rappelez-vous, je suis en pointé hold de la quatrième section, donc ici je vais ouvrir mon pied droit à droite, en recover, revenir en appui sur le pied gauche, puis je vais faire deux sailor steps, un sailor step du pied droit et un sailor step du pied gauche.
Sailor step du pied droit avec le pied droit légèrement en avant. Sailor step du pied gauche avec le pied gauche légèrement en avant. Et voici donc le unwind demi-turn. Donc vous allez pointer votre pied droit derrière votre pied gauche, faire votre demi-tour et bien poser votre poids sur le pied droit. Car on en aura besoin pour la sixième section. Avec les comptes. 1, 2, 3 et 4, 5 et 6, 7, 8. Pour la sixième section, je suis donc en appui sur mon pied droit. Donc le pied gauche en avant, recover, revenir sur le poids du pied droit. Un sailor step vers la gauche du pied gauche, sailor step, le pied gauche légèrement en avant. Avancer le pied droit, faire rejoindre le pied gauche à côté du pied droit. Et ensuite donc les heel bounces, donc il y en aura deux. Et bien entendu, il y a les pop knees qui vont avec. Hein, donc voici les bounces. Hein. Comme ceci, avec deux fois les talons. Avec les comptes, je suis ici, donc 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8. Voici la présentation donc, du tag restart de 16 comptes, qui aura lieu après les 48 comptes du quatrième mur. Tap, tap, coaster, cross, touch, tap, touch, behind side stomp. Et on appuie bien sur le pied gauche. Avec les comptes. 1, 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. Pour la deuxième, la suite donc de ce tag restart, on fera un heel grind quart de tour à droite, heel grind quart de tour à gauche, on pose et on finira sur un rocking chair, ce qui nous permettra de repartir du pied droit. Donc je compte 1, 2 et 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Alors petite information, c'est que pendant les heel grind, il serait vraiment sympathique de faire un clap à chaque heel grind. Ça va donner du pumps. Je vous remercie beaucoup et je vous rappelle qu'ensuite il y aura un petit restart au cinquième mur, après le cinquième mur, 32 comptes seulement et on reprend jusqu'à la fin You and Jack. Merci beaucoup, j'espère que cette danse vous plaira et que voilà, si vous pouvez mettre un petit message, ça nous fera vraiment plaisir, donc Pierre, Frédéric et moi-même. Et puis merci de vos présences et de vos regards et de vos soutiens.